Au début, je faisais du foot comme sport. Et puis, je participais au cross du lycée, enfin du collège, du coup. Et donc, du coup, c'est mon entraîneur maintenant qui est venu chez moi et qui m'a proposé si je voulais faire de l'athlétisme pour essayer. Du coup, j'ai essayé, j'ai commencé en quatrième, en continuant en faisant du foot pendant 2 ans. Ça me plaisait, je faisais quelques résultats, du coup j'ai poursuivi jusqu'à maintenant. Par rapport à ses résultats scolaires, en fait, on a vu qu'il avait un potentiel. Et à l'époque, il faisait du football et il mixait. Donc il est venu voir, il a mixé au début avec les deux et il est venu au club de Pouzauges, en fait, juste après. C'est un sport individuel. Quand tu te loupes, il faut se remettre en question. C'est toi qui te remets en question, c'est pas sur les autres. Du coup, c'est toujours. Et puis aussi la recherche de perfection et de progression constante. Au début, je faisais du triathlon un peu comme tout le monde, donc je faisais un peu de javelot et de longueur, hauteur, mais je préférais tout de suite le 1000 mètres ou les épreuves comme ça. Du coup, c'était en 4e, 3e, j'ai arrêté de faire des épreuves entre guillemets combinées et je me suis mis que à la course à pied et plus précisément le demi-fond. Avant de m'inscrire, je faisais déjà des podiums en ENSS, donc après j'ai continué et puis j'ai commencé à faire des podiums en FFA, donc aux départementaux, aux régionaux et même aux interrégionaux sur piste. En 3e, c'était en minute 2 quand je fais champion interrégional de 3000 mètres. Donc là, c'était vraiment un déclic, quoi. Enfin, c'était quelque chose. Avec le centre et le Pays de la Loire, gagner, c'est vraiment top. Je suis blessé en KD1 et en fait ça m'a empêché de courir pendant 2 ans, on va dire, de m'entraîner vraiment parce que ça donnait des complications au niveau de mes genoux en fait. Et du coup ça a été compliqué et j'ai repris vraiment l'entraînement il y a 2-3 ans. Et je suis en progression constante, quoi. J'améliore mes chronos chaque année là maintenant. Mes points forts, je suis déterminé, je dirais. Assidu à l'entraînement. Mes points faibles à l'athlète, ça serait le fond, enfin, plus tout ce qui est seuil et tout, tenir la vitesse le plus longtemps possible et aussi la souplesse, la technique, le placement, le gainage, enfin tout quoi. On essaie de développer à peu près tout. Bon, à son âge, plus la vitesse, hein, mais on est encore sur de l'aérobie, sur plein de choses, sur la foulée gestuelle, sur son amplitude, sur sa fréquence, son ouverture de foulée, sur plein de choses. Avec mes cours, je suis en stable, j'ai pas mal de sport. Du coup, il y a des semaines où je suis à 4-5 entraînements et il y a des semaines comme là, les dernières semaines où j'ai moins de sport, je monte à 6-7 pour faire de la qualité et commencer les choses sérieuses, quoi. Théo, c'est un passionné, il le faut d'ailleurs pour s'entraîner. Il est passionné, il est déterminé, il met tout en œuvre pour réussir. Il a l'école à Nantes, donc ça pose une petite problématique. On a du mal à se voir, mais avec les moyens technologiques aujourd'hui, c'est plus facile en fait par Internet, au niveau des pulsations. Au niveau des comptes rendus, on le fait par téléphone. On essaie de se voir une fois par semaine. Compétition, j'arrive, je suis stressé, un peu comme tout le monde, je pense, mais c'est du bon stress pour surpasser derrière. Ensuite, j'ai toujours mon petit rituel, je mange mes petites barres céréales au chocolat 2h30 avant la course. Ensuite, je fais mes gammes normales et après, avant 5 minutes avant la course, il y a toujours un gros coup de pression parce que on va commencer à y aller. Et en fait, au coup de pétard, après, je peux me libérer et m'exprimer complètement, quoi. J'irai 1500 parce que au 800 c'est vraiment, faut vraiment être de base un sprinter entre guillemets et venir du 400 pour être vraiment bon, alors que le 1500 faut avoir une bonne vitesse mais aussi être bon en,
en fond, quoi, en aérobie. Et en plus, au 1500, s'il y a plus des cours stratégiques et quand il faut attaquer à la cloche et aux 500 mètres, on peut avoir plus de ressources pour attaquer plus fort et c'est le mieux. J'aime bien Bob Tari, donc pour le côté psychique, enfin psychologique, voilà, vraiment c'est la tête qui contrôle le corps. Après, j'ai aussi Pierre Ambroise-Bosse, bien sûr, champion du monde sur 800 mètres cet été, donc c'est un exemple parce que voilà, il est toujours dans la déconnade et c'est important aussi. Et après, je dirais Mo Farah aussi, voilà, parce que il est impressionnant et que voilà, c'est beau. Dans une période de formation, de développement, on ne va pas sur un secteur physique, on est plus sur du développement kinesthésique physiologique, mais on a repris les bases en fait, les bases de foot, et on essaie de voir à long terme en fait pour qu'ils puissent grandir d'ici peut-être 2-3 ans et qu'à 28, 29, 30 ans, il soit aussi costaud, il a la chance d'être très rapide, il est aussi fort sur 400 mètres, 800 mètres. Qui pourrait être sur 10 km, donc c'est un sacré atout. Cet été, ça va être les championnats de France Espoir du côté de Niort. Donc, j'ai pas la prétention de dire que je vais faire une médaille parce qu'il y aura vraiment du beau monde cet été, mais on va y aller et on va essayer de jouer les cartes, quoi. De tout donner. On va essayer de baisser le chrono le plus possible sur 1500. Après, je sais que le steep, ça m'attire aussi, mais pas tout de suite, il y a d'autres choses à développer avant. Plus tard, peut-être à 25, 26 ans, je viendrai sur le steep. Mais pour l'instant, vraiment 800, 1500, pourquoi pas 3000 pour essayer, mais vraiment ces distances-là particulièrement.